Les trois attaques simples. Coup droit, dégagement, coupé. Constituent l'alphabet. Les attaques composées, combinaison de plusieurs mouvements. Fin de coup droit dégagé, une, deux, doublement par exemple. Forment, elles, le vocabulaire. Les phrases ne sont formées que par deux adversaires. Qui, alternativement, choisissent ou dans l'alphabet... ou dans le vocabulaire. C'est exactement un dialogue. L'initiative de cette conversation... est généralement saisie par le plus disert. Jusqu'au moment où son interlocuteur, en prenant la parade... l'aura prié de se taire et d'écouter à son tour. Dans ce duel oratoire... la parade assume le rôle de juge-arbitre en accordant la parole à celui qui l'a réussi. Et en l'enlevant à celui qui n'a pu l'éviter. René Frère, le code du fleuret. Tu l'envoies un peu là, tu vois, t'es là, là, ici, là, là, hop. Voilà, bien. Ça fait flipper. Voilà. Ok, ça filme là ? Ouais. Allez. Garde Sixte. Engagement de carte. Feinte dessous-dessus, en demi-fente. Parade de Sixte avec retrait du buste par recul du pied arrière, riposte par dégagement dessous. Parade de seconde, riposte par dégagement dessus. Parade de tierce, riposte par coup droit, touche. Mes connaissances théoriques de l'escrime remontent à longtemps, mais la phrase d'armes, moi, telle que je l'aperçois dans le haut niveau, c'est l'échange et la discussion qui peut se faire entre les deux athlètes. Et bien souvent, une phrase d'armes, dans une phrase d'armes, tu as un attaquant, un défenseur, et puis c'est au défenseur de reprendre l'initiative pour repasser en position d'attaquant et marquer le point. Donc la phrase d'armes, c'est juste le dialogue. Et celui qui conclut le dialogue est celui qui marque le point, quoi. La parade assume le rôle de juge-arbitre en accordant la parole à celui qui l'a réussi. Et en l'enlevant à celui qui n'a pu l'éviter. Parade de cartes. Parade de quinte. Tierce. Ça c'est quinte, ça c'est tiers, et ça c'est carte. La tierce, la carte, la quinte. Oui, c'est d'énerver l'ennemi. Après, quand il arrive, tu lui fais la parade riposte s'il est trop rapide et qu'il part. Après, tu le réénerves. Après, lui, il va t'attaquer. Tu vas vers l'arrière,
après tu fais la fente. Allez. En fait, parfois, moi, l'attaque composée, je change un peu. Parfois, je fais comme ça, comme ça, comme ça, et je touche. C'est quoi les notes? C'est quoi? Ah, donc, c'est semblant... C'est je touche au flanc. Attention à la douceur derrière toi. Très bien. La phrase d'armes d'aujourd'hui est beaucoup plus courte en règle générale que celle d'il y a 20-30 ans. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'échanges, donc ça pouvait durer sur 4-5 échanges de parades riposte. Donc c'était dans la finesse, dans la fluidité. Aujourd'hui, on est un petit peu plus en puissance et en explosivité. Du coup, les points et les touches donc, ont tendance à arriver plus vite. Et l'échange est forcément moins long. Donc la phrase d'arme, je pense qu'elle s'est un petit peu raccourcie. Et c'est un peu plus de puissance et d'explosivité qui parle. Envoie de la première. Envoie la première. Oh la chance. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Garde Sixte. Engagement de Sixte, dégagement en demi-fente. Parade de Sixte, riposte par coup droit de pied ferme. Parade de carte, riposte par coup droit. Parade de Sixte, riposte par dégagement de pied ferme. Parade de Sixte, riposte par coup droit. Parade de carte, riposte par dégagement au flanc. Touche. Garde Sixte. Engagement de carte, dégagement en demi-fente. Parade de carte, riposte par coup droit. Parade de Sixte, riposte par coup droit. Parade de contre de Sixte, riposte par fin de dégagement dessous, dégagé dessus. Parade de Sixte, riposte par coup droit. Parade de contre de Sixte, riposte par dégagement dessous. Parade de seconde, riposte par dégagement dessus. Parade de carte, riposte par coup droit. Parade de Sixte, riposte par fin de dessous, dessus. Parade de Sixte, riposte par coup droit, touche.
Voilà. C'est vrai qu'il y a différentes écoles, notamment l'école allemande, qui, elle, s'est adaptée par rapport à cette escrime qui était dans l'échange, dans la fluidité, dans la belle escrime de pointe. Elle, dans un souci d'efficacité, l'escrime allemande s'est adaptée sur des coups très puissants, surpassant bien souvent les parades, donc ce qu'on appelle les coups lancés ou coups fouettés. Et c'est vrai que ça a eu tendance à raccourcir la phrase d'armes. Donc ça, c'est vrai que c'est un style. Et puis, cette école-là, vu qu'elle a fait ses preuves et qu'elle était efficace à haut niveau, c'est sûr que d'autres nations s'en sont inspirées, et dont les Français. Et je pense que ça, il ne faut pas avoir à le renier, parce que dans le haut niveau, on cherche la performance, on ne cherche pas le beau geste. Donc, moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai pris dans mon jeu, qu'on ne m'a pas spécialement enseigné, mais... c'est quelque chose que j'ai été prendre chez les autres et en regardant les plus grands faire. Donc, ouais, il y a une culturellement, il y a certains pays qui n'avaient pas la même vision de l'escrime et de la phrase d'armes, mais qui elles se sont adaptées dans un souci de performance dans le haut niveau. Là, hop, voilà, bien. Là, hop, hop, ouais. Là, hop. Tout de suite là. Hop, tout de suite ici là. Hop, hop, relâche un peu. Change carte. Coupé. Là, tu me remontes. Pour moi, la puissance, l'explosivité dans les coups, c'est au service de la créativité, quoi. C'est ta créativité, ton style, ton jeu qui va te dire à un moment donné, je vais aller chercher tel coup tout en finesse. Ou alors tel coup puissant à ce moment-là pour écraser mon adversaire. C'est juste que ta créativité te permet d'aller piocher dans un panel plus large. Et je pense que l'escrime d'aujourd'hui, elle est très riche parce qu'il y a beaucoup de coups possibles. Et c'est sûr que quand tu n'es que dans un domaine d'explosivité et de puissance, tu ne peux pas être performant. Donc c'est parce que tu vas être dans le jeu créatif, dans la prise de risque, que tu vas aller chercher des coups. Plusieurs coups. Il y en a que tu ne maîtrises pas trop, mais peut-être que tu vas aller le chercher à un moment donné sur un match et que ça va être payant. Donc pour moi, l'escrime du futur, elle est pas bridée. Au contraire, il y a de plus en plus de coups qui sortent. Il y a des étrangers qui inventent un petit peu des gestes ou des attitudes, des postures. Et nous, par mimétisme, on essaie de les adapter aussi. Donc ça enrichit, tout ça, ça fait boule de neige et ça enrichit aussi une certaine créativité. Donc... Moi, je suis pas trop inquiet, quoi. Garde Sixte. Engagement de carte. Fin dessous en défense. Parade de sixte, riposte par dégagement dessous. Parade de seconde, riposte par dégagement dessus. Parade de tierce, riposte par coup droit. Touche.
Très bien. Okay.